Gilles Assolan, bonjour. Vous êtes président de l'association Lyon Métropole Angels et nous sommes ici à Lyon pour le Salon des Entrepreneurs édition 2015. Lyon Métropole Angels, qu'est-ce que c'est ? Alors Lyon Métropole Angels, c'est une association qui est la fédération des 6 clubs de business angels lyonnais, parmi lesquels on retrouve Lyon Angels, EM Lyon Angels, Arts et Métiers Business Angels, Health Angels Rhône-Alpes pour la santé, Beaujolais Angels et INSA Angels, dont je suis un des fondateurs et président. Ça représente combien d'adhérents, combien d'entreprises ? Donc ça représente, alors pas des entreprises, parce que nous sommes une association, mais uniquement des adhérents. Donc ça représente entre 250 et 300 adhérents pour 2014. Donc nous avons financé l'année dernière, ce sont les statistiques à fin décembre, sur 600 projets de financement reçus. On en a financé une quarantaine pour un montant de 4 millions d'euros, ce qui représente une valeur moyenne de 100 000 euros par projet. En quoi cette fédération va aider ou aide déjà les entrepreneurs de la région lyonnaise ? Alors, le Lyon Métropole Angels est un club de business angels, comme le sont tous les clubs qui sont adhérents de France Angels, c'est-à-dire que, en fait, nous nous rapprochons des business angels personnes physiques, de porteurs de projets que sont les créateurs d'entreprises, notamment toutes les startups du digital. Et donc, nous organisons des assemblées plénières au cours desquelles les porteurs de projets viennent pitcher, c'est-à-dire présenter leurs projets de façon synthétique et courte. À l'issue de ces présentations, nous décidons ou pas d'investir. Et ensuite, c'est une équipe de business angels qui conduit l'instruction et qui prépare toute l'étape du financement avec les parties administratives, tout le montage juridico-financier. Quels sont les objectifs de Lyon Métropole Angels pour les 6 derniers mois de l'année ? Alors, Lyon Métropole Angels donc, est en phase de constitution. Donc, nous mettons en place des ressources et des moyens communs, notamment à deux niveaux. Le premier, c'est la constitution d'un club qui va mutualiser le deal flow. Le deal flow, c'est le flux de demandes de financement que nous avons, pour lesquels un certain nombre, de par la taille et de leur localisation, sont plus du ressort de Lyon Métropole Angels que des clubs en dessous, qui en font partie, donc avec l'accord des clubs. Dans la mesure où ils n'ont pas la capacité financière suffisante et où ce club est situé dans la métropole, eh bien ils le proposent en co-investissement, donc c'est LMA qui organise ce co-investissement. Et puis de l'autre côté, nous allons organiser une grande manifestation, nous allons réunir l'ensemble des adhérents de Lyon Métropole Angels et des 6 clubs. En tout cas, on l'a bien compris, les entrepreneurs lyonnais et de la région lyonnaise sont entourés, sont accompagnés par Lyon Métropole Angels. Merci à vous, Gilles Assolan. Je le rappelle, vous êtes président de l'association Lyon Métropole Angels et nous sommes toujours à Lyon pour le Salon des Entrepreneurs édition 2015. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.